I discovered how the third energy could affect space if it ran unchecked 3 years ago. I thought that the energy had the ability to transfer selective space to an alternate time-space continuum. Ah, ça, le truc. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? The space was not transferred, it was exchanged. To put it in terms that even you can understand, third energy has the ability to replace a pocket in space with one from a different time. What? Yes. I came to these conclusions following this evening's final experiment. You've seen the effects yourself. Those beasts were occupying the space this facility is located on almost 65 million years ago. Right. So that's how those dinosaurs appeared in our time. Precisely. And that is what I have done. Ouais, il est content parce qu'en fait il a ramené les dinosaures, c'est génial. Sauf qu'il va bientôt se faire niquer par eux à mon avis. Non, même pas en plus. Ah bon? Non, il crève pas? Non. Irrelevant. Let's just say that there were many. Extraordinary deaths for ordinary men, don't you think? Ouais, il est sympa en plus, t'as vu? Parce que du coup il dit ouais, les hommes ils sont morts, ils sont bien morts, enfin ils sont morts d'une manière incroyable, ils méritaient comme ça. C'est bien pour eux qu'ils soient morts comme ça, tu vois. Moi ils ont eu une mort extraordinaire. C'est génial. C'est cool. Your grand invention is blocking our escape. You need to destroy the vortex. The only way to do that is to allow the generator's third energy levels to overload. Voilà. Theoretically speaking, the third energy and the vortex will cancel each other out if they come in contact with one another. En fait, tu regardes pas les sous-titres, toi t'écoutes. Ouais. Parce que c'est mieux quoi. Ouais. Non, je vous conseille de faire le même si vous comprenez l'anglais. Stop the generator's third energy overload. This entire region may be shifted to another point in the space-time continuum. Toute la région sera. Just make sure to be somewhere else when the shift happens. No problem. Bah donc le truc. Even ah oui voilà, Slay va dire on va avoir besoin du stabilizer et l'initializer. Right? Where are they? Très persuasif, n'est-ce pas? Calm down. Il attend de rentrer comme down. Very good, Doc. En même temps, je suis sûr qu'il aurait tiré l'autre con. Ouais, carrément. We live, you live. Voilà, donc je sais pas si vous avez compris. Bah, attendez, d'abord il y a un... ouais. Donc il va falloir qu'on, pour annuler le vortex qui nous empêche d'aller au port, il va falloir qu'on pousse le, enfin un truc au maximum. Et pour le pousser au maximum, il faut servir de l'initializer et le stabilisateur. Enfin, on s'en fout, vous avez compris les deux trucs. Et le truc c'est que si on fait ça, non seulement on pourra passer. Mais le problème, c'est que ça va créer un... Enfin, tu vois les petits trucs espace-temps par lesquels les... Les vortex, ouais. Ouais, les vortex par lesquels les dinos ils sont venus. Mmh. Et ben en fait, ça en créera un sur toute la base, en fait. Donc toute la base, elle sera téléportée il y a 65 millions d'années, et à 65 millions d'années, elle sera téléportée ici, quoi. Donc il y aura plein de dinosaures. Ah, ouais, c'est un échange, comme il y a l'idée. Mais du coup, Rick, on va lui expliquer la situation, et il va faire chier le monde. Parce que Gail et Rick, ils s'aiment pas. Oh, j'ai vu. I'll keep an eye on the doctor. Regina, you go find those devices and overload the third energy. Bah, tout le temps elle qui va tout faire. De toute façon. C'est normal. C'est une femme. Non, je sais que... Let's get this situation under control before charging off. Here, take this. This contains the draft plans for the initializer and stabilizer. I stumbled over them while searching through the database. Fortunately, the room where the parts are stored is not far from here. We should gather up the parts and assemble the devices. Don't be ridiculous. Regina doesn't have the technical knowledge for that. We don't even know if all the right parts are there. We'd be better off simply trying to hunt down the completed devices. It's too dangerous down there. She won't make it. It's your call then, Regina. You're the one who has to do this. Je sais pas si tu vis puisque tu dors. Mais Je dors, en plus je vois rien d'ici parce que je vois en diagonale. Ah ouais. Bah en fait le stabiliseur et l'initializer là, enfin bref, les deux appareils. Ouais. Soit on peut choisir de faire le tour de la base et se faire chier à les trouver. Soit on peut, enfin à faire chier à les monter soi-même, tu vois, comme des trucs Ikea. Soit on va les chercher déjà montés en fait.
C'est con. Puisque si on va les chercher déjà montés, s'ils sont déjà montés, pourquoi on ira les chercher non, parce que des endroits. Enfin, si on va chercher les pièces détachées, c'est dans des endroits qu'on a déjà été. Et l'endroit avec où ils sont déjà faits, il y a plein de dinosaures et un T-Rex. Comme tu veux. Bah, moi, je serais allé là où il y a plein de dinosaures. D'habitude, je prends Rick parce que j'ai envie de revenir au même endroit. Mais là, comme j'ai buté aucun dinosaure, ouais, ça veut même d'aller voir, enfin, de faire la stratégie de game. Let's do it. Alors, il dit, on y va, mais il rentre. Enfin, quand même, il y a un T-Rex, c'est pas pareil. Don't drop your guard for a second. Hein? Là, il y a un T-Rex, c'est pas pareil. Que si tu revenais dans les endroits d'avant où il y a que des. Ouais, alors voilà, faut aller là-bas. Le petit dinosaure. Là-bas. Tu vois? Ouais, ouais, je vois. Ah, d'ailleurs, putain, hey, je peux ouvrir. Ah, ouais, maintenant je peux ouvrir plein de portes maintenant que j'ai la carte A. 31-415, faut que je m'en souvienne parce que vu que. Voilà, enfin, en passant, je vais aller. Voilà, donc dans la pièce qui est juste là, que vous avez pu voir. Ah, tiens, c'est quoi ce truc? Putain, c'est le pistolet du mec. Ouais, dans la pièce, il y a Gail qui surveille Dr. Kirk. Alors, c'est génial parce qu'ils ont des noms, à part Regina, ils ont juste des noms en 4 lettres. Ah, ouais, tiens. Kirk, Gail, Rick, c'est énorme. Enfin, si, parce qu'elle, c'est pas son nom. Enfin. Ouais, mais bon. Ouais, donc on va redescendre. Je préfère autant parce que c'est comme les gens qui foutent un pseudo de 15 trucs là. Ouais. Sur James007. Bien chiant le truc, ils te foutent des chiffres. Tout un bordel. Non, sérieux, je préfère les trucs en un seul mot. Là. Genre Delnix, Kiralex. En plus, en 12 syllabes en fait. Ouais, enfin, en un seul mot déjà. Et pas avec des chiffres, des lettres, tout le bordel. Enfin, je sais pas, c'est plus facile Non, ça se prononce plus rapidement. Ouais. C'est facile à retenir aussi. Bah, c'est pour ça que New Gunfogger je préfère parce que c'est. Par contre, il y a plein de syllabes dans New Gunfogger donc. Ouais, mais c'est putain de facile parce que ouais, les deux mots c'est les mêmes, c'est pareil. Ouais, non, mais surtout tu peux dire Nog. C'est moins chiant à prononcer aussi. Nog, c'est facile à dire. Non, mais c'est moins chiant à prononcer que James Je, c'est chiant. Putain. Oui, parce que t'as deux J, tu vois. J c'est en début. Non, mais c'est le. Oui, James. MSJ, c'est trop chiant. Ouais, voilà. James Je. Ouais, tu peux pas le dire vite quoi. Ouais, c'est chiant. Alors, si je veux, je pourrais aller là. Pour chercher une des pièces détachées et il y a une putain d'énigme difficile. Puis 007 pour la prononcer si je suis lancé. Bah, tu regardes en anglais, ce serait plus simple, c'est 007 alors. Ah ouais, c'est vrai. Parce que 00, c'est chiant. 00, tu peux le dire vite. Sans rire, quand des fois je mets. Enfin, des fois je dis mon pseudo. Ouais. Parce que des fois je le dis, c'est pour le fun. je dis 007. Moi je dis JJ, puis fais pas chier ça. Voilà, JJ. Ça fait un nom genre GIGI, un nom de vieille grosse, genre la grosse Bertha. C'est aucun rapport, c'est pas grave. La grosse Bertha, c'est un carme. Je sais. Je sais pas quand je dis la grosse. L'immonde Raymond. T'as pas vu? C'est bien ce truc. Non, c'est un truc qu'on avait fait dans notre poésie à la con, mais non, c'était dans une des vidéos de Broken Sword. Non, bon, j'ai pas vu. On va mettre la carte ID. Donc mais tu crois que j'ai le temps de regarder tes vidéos de Broken Sword? Par ça, je regarde plein de vidéos de FF6, elles sont putain énormes. Ouais, mais toi tu regardes que moi, alors comment je regarde tous les autres aussi? Non, moi aussi hein. Non, il y a quelques trucs que je regarde pas. Non, moi aussi, mais je regarde un ou dessous de chaque en fait. Kiralek, je regarde quand ça s'appelle Crash Bandicoot. Chrono Trigger, je regarde pas parce que je connais par cœur et hein. Bah moi personnellement Chrono Trigger, j'aime pas trop. Je peux pas suivre trop. C'est lent, je trouve. Ouais, c'est enfin, de toute façon, moi je le connais par cœur donc. Ouais, bah moi je le connais un peu. Donc Danik, je regarde bah dans Geek Kong, hein, pas le choix. Bah personnellement Denix en fait j'ai pas regardé le début de Donkey Kong et j'ai regardé la suite. C'est comme moi je regarde tout. King Kong, sérieusement j'ai pas regardé le début. Pareil. Mais ensuite après lui, j'ai regardé comment. Moi je regarde surtout l'Odyssey Dive que plutôt que Medieval quoi. Bah Medieval moi je l'ai fait il y a pas longtemps tu vois, elle termine à 100% il y a pas longtemps. Enfin Medieval je sais pas, c'est répétitif, enfin c'est. Bah c'est beaucoup. Surtout des du coup d'épée partout quoi. Ah ouais non mais c'est beaucoup voilà. Ouais, mais l'Odyssey Dive c'est assez sympa niveau. Ouais. C'est changeant, ça change ça. Attends, ensuite. Alors, moi sérieusement, j'adore celui de John. Il est énorme. Ah, oui, de. Ouais, Skellarex. Et moi, je sais pas pourquoi je pense Kerelex en fait. Parce que ça fait trop penser à Kiralex. Je pense à R au début en fait. Ouais, parce que c'est dans Kiralex, il y a le R et le L. Et bien là, en fait, c'est Skellarex. Skellarex, ouais. C'est Skellarex, ouais, comme tu veux. Je pense comme un peu, mais c'est pas grave. Bah, ça vient de Skellarex, ça le. Avec un seul X. C'est quoi Skellarex? Bah tu vois c'est le perso dans Mario Kart, c'est un espèce de Yoshi, mais un squelette de Yoshi tu sais. Tu l'as jamais vu? Non c'est mais un squelette de Yoshi.
C'est le truc qu'il a en avatar, de toute façon. Ouais, voilà, c'est ça. Enfin, c'est un perso de Mario Kart. Oh putain, faut qu'on fasse encore le tour de. Oh, bordel de merde. Oh, faut qu'on passe au putain d'endroit qui est casse-couille. Tu veux vous parler? Ça y est pas qu'à Mario Kart, ça y est dans les Mario. Ça. Casse-couille, bah ouais, le jeu entier, ouais. Non, non, l'endroit avec. Parce que d'habitude, je prends tout le temps la possibilité de Rick. Et là, pour une fois, j'ai voulu changer pour voir. Ouais, Helios, donc je regarde Simon le sorcier, mais. Ouais, mais il upload pas. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Merde. Il upload jamais. J'adore Simon le sorcier, putain. Enfin, il plus vite. Bah, ah, il fait comme il veut. Sérieusement, je sais pas quand je prendrai cette. C'est vrai que donc, ça se trouve, on aura déjà tous des. Je crois que de nous tous. De nous tous, c'est lui qui va le moins vite, je crois. Bah, c'est normal parce qu'il y a des problèmes de santé. Après, c'est Duke Nukem. Ouais, je sais. Ouais.